L'ail, safran, thym, poisson, bœuf, porc, poulet. Préparation. Ouais, elle est bon, elle m'y connaît. Il dit pas ouais. Oui, préparation, oignons, tomates, l'ail, safran, thym, poisson, porc, poulet, bœuf, porc. Ouais, à peu près. Bon, et enfin, cuisine, cabri massalé. Et quel cabri et quel massalé? Ah ben, les vrais. Ah. On va rajouter cabri plus massalé dans la liste de courses et dans la préparation. Cela va de soi. Cela va de soi. Va de soi-même. On a rien à faire pour ajouter? Juste une petite pincée de sel. Martha! Ah, Martha! Oui, présente. Chapitre 1, coefficient 4. Vaisselle, séchage, nappage, serviettage, lavage, essorage, séchage, repassage. Okay. Chapitre 2, coefficient 3. Soleil, plafond. Alors, grattage, dégommage, récurage, monsieur propage, serpillettage, séchage et brillage. Chapitre 3 et rattrapage. Attention. Cabinage, dégommage, dégouttage, déplumage et sentimontage. Sentimontage? Oui. Vous connaissez pas? Allez. On en a fait pour ajouter, peut-être? Non. Mais... quoi que c'est? Ah ben bravo! Ah ben bravo à vous-même, qui c'est où? Madame, votre couloir de cabinet n'est pas aux normes du tout, du tout, du tout. Et aux normes de qui? Eh ben de moi. M'y sens pas du tout. Ouais, le cabinet, c'est autre problème. Mais c'est quoi ce bordel en bas de chez moi là? Célie. Les par rapport à l'arrêté du 1er août 2006. Votre couloir doit faire 1m40 de largeur. Eh ben, espère un instant, mais allez, pousse le mur côté chez le voisin. Oh, Mému, c'est pas comme ça, il parle. Mais quoi? Mais c'est pas un monde comme tout, peut-être? Ben si, mais... Et mais par rapport de la porte cabinet et de l'espace, parce que... impossible de faire demi-tour. Ah, c'est ça. Ben, où, hein? Sur la terrasse, ben, il y en a pas de place pour faire demi-tour. Et ben, si vous faites un là, tout de suite, ben, j'aime pas où. Et la chasse d'eau, au moins 3 mètres de haut. Oui, ben, effectivement, celle-là, elle est pas tout à fait comme les autres, hein. Oui, ben, écoute, c'est un cabinet des années 70, qu'on s'en veut m'y faire. Mais non, à cause de lit. Merci. De rien. Servante. Excusez-moi. Vous la criez à moi, moi? À moi, servante? Est-ce que vous pouvez me trier votre patronne? Ça ne dérange pas. Mon noir.
Attends. Écoute. Petit Bougoula écrit en haut. Quoi encore? Oui, c'est pourquoi. Est-ce que la limonade ne serait-elle pas à la bonne température pour la bouche de monsieur? T'as qui la voiture là, Léa, à ma place? Tu vois pas le panneau? La 4L là? Ouais. Ah, t'as mon oncle, pourquoi? Ben, elle est pas étonnante du tout, quoi. Ah, c'est monsieur Edmond, il habite là. Il faut passer par là, là, ouais. Et Satali. Je calme tes chandelles là-bas, Tali. Ouais, mais Satali, mais ça. Excusez-moi, mais Léa, moi. Ben, depuis la loi du 1er août 2006. Mais vous venez quoi? Vous venez d'y aller ou même? Parce qu'il ne doit pas tarder pour arriver là. Hein? Ben, espère un coup, Miss Rodali là. Mec, crie Ali. Eh ben, Miss P, hein, son pacemaker, il est de bonne humeur, hein, sinon ça là. Ouais, monsieur Edmond là, ça. Par rapport à la table. Quoi, la table? Elle est pas en norme, elle est pas à la bonne hauteur. Comment je gonfle à moi, le petit monsieur, là, hein? Oh, t'es timimu, quand même. Et quoi, t'es timimu, quand même? Ben, on voit pas, Eh, oh! Mais là, m'a pas besoin de votre bonne pitié, de votre compassion, donc, garde ça pour ça. Par contre, une table à la bonne hauteur, dérangerait à moins bien. Mon idée hyper chiant, quoi. Mais c'est pas grave, parce que, m'a appelé mon association, madame a fait les mesures nécessaires et... fait quelques rapports. Bon. Ne nous bataillons pas pour si peu. Dis-moi, quelle hauteur à peu près fait plaisir à vous? Ben, 65. Centimètres? Non, kilomètres. Ah, oula, redescends là, hein? Où se la trouve ça? Devant l'hôpital. Vous ça arrive à où? C'est la débroussailleuse, l'emballée. Aïe. Mais vaut mieux me s'appeler docteur Mossadoté. Non, attends. Il vient de sortir de son bureau à l'instant là. Et alors, il est grave? Mais non, c'est le carburateur avec l'accélérateur là. La reste coincée. Non, mais veut dire pour là, elle est grave? Non, mon gapin va occuper. Merci d'inquiéter pour moi, merci. Hein. Non, mais c'est que vous comprenez déjà, vous ne travaillez pas trop. Et si en plus vous êtes en arrêt maladie, c'était pour moi savoir combien de temps où ça pose ou de quitter là sans rien faire. T'es muté. Oh, t'es où à Paris? Ah, aussi ou des broussailleuses là des matins? Enfin, oui, en quelque sorte. Yanis, Cartail. Ah ben, Léonis, emploi vert. Enchanté. Quand même, il espère au fin feu de besoin. Besoin? Ben oui, parce que la porte, il fait 90 au lieu de 140. Ne parlons pas pour ne rien sinon on dit, ok? Ah, mais pour tourner, on sera emmerdé. Tourner? Ah oui, qu'on sera fini au te... Hein? Au te... T'es... Oui? Où ça, ils sont, ça? Le docteur Mossad. Les broussailleuses, coupe-la parce qu'on a... Fiouk. T'es, ben, n'y entend bien, hein? Un peu trop, même. Il t'a pas les mains à nous en affaire, hein? T'en as parlé? Madame Timimu! Ah, qu'est-ce que ça m'a dit à ça? Oh, mais attends, c'est le monde comme nous, quand même! Toi, un général pour mon camarade et moi, s'il te plaît! Pardon? Parce que déjà, la haute table, elle n'est pas aux normes! Ah, hein. Oh, c'est-tu fatigué à moi que ma table pas aux normes? C'est-tu fatigué à moi? Parce que, d'après l'association, là, doit être à 65. Ouais! Il dit pas ouais! Ah, Oupita, allez, trappe plutôt les deux bouts de bois et Nadeya là-bas et fabrique une table à 65 pour zotes. Quoi? 65! Dans mon contrat, là, elle écrit que moins. Pita! Là, mais... 65.
Voilà, c'est la bonne hauteur, m'espère. Madame Timimé, 165, ça hein? Un miracle. Fenêtre, il ferme pas. À qui le prendra? À qui le prendra? C'est la mère Michel qui a... Apolline qui a perdu son chat. La mère Michel, là, son...